Pourquoi le développement personnel est indispensable dans votre reconquête amoureuse? Souvent, après une rupture amoureuse, vous souhaitez une seule chose, récupérer votre ex. Mais cependant, pour mener à bien une reconquête amoureuse, vous devez obligatoirement passer par ce travail de développement personnel, d'abord pour vous et ensuite pour récupérer votre ex. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de James D, votre expert en reconquête amoureuse et développement personnel. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi le développement personnel est indispensable pour sa reconquête amoureuse. Alors, une rupture amoureuse intervient toujours quand votre partenaire juge qu'il ou qu'elle n'est plus épanoui à vos côtés. Je suis super bien avec toi, mais je te quitte, cela n'existe pas. Ainsi, une rupture amoureuse intervient quand votre ex juge qu'il sera plus heureux sans vous. Que vous soyez dans une relation longue ou une relation courte, votre ex a jugé que votre CDD sentimental devait se terminer pour diverses raisons. Ainsi, tout votre amour et vos sentiments ne feront pas revenir votre ex. Il faut bien comprendre ici qu'on n'est pas dans un break amoureux, mais bien dans une rupture amoureuse. Alors, pourquoi le développement personnel est si indispensable pour mener à bien sa reconquête amoureuse? Tout simplement car la clé d'une reconquête amoureuse, c'est le changement. Sans changement, aucune reconquête amoureuse n'est possible. Ici, je ne parle pas de promesses ou juste faire des efforts quelques jours, mais bien de faire un véritable changement car vous avez pris conscience que votre comportement a amené à la rupture amoureuse. C'est pour cela que premièrement, vous devez accepter la rupture. Deuxièmement, identifier les causes de la rupture amoureuse. Et troisièmement, mettre en place un changement durable avec une véritable stratégie de développement personnel. Donc sans développement personnel, pas de reconquête amoureuse. Et j'entends déjà, oui, mais je suis comme ça. Que ce soit votre jalousie, votre colère, votre manque de confiance en vous, et j'y peux rien. C'est faux. Ça, c'est des conneries. Quand on veut, on peut. Alors oui, cela va pas être évident tous les jours. Oui, cela ne se fait pas en un claquement de doigts. Oui, il va falloir de la patience, mais c'est pour votre bonheur. Soyez honnête avec vous-même. Je suis sûr que dans 90%, on vous reproche toujours les mêmes choses. Et vous allez d'échec en échec amoureux, espérant qu'un jour, peut-être, cela marchera. Einstein a dit, la folie, c'est de croire qu'en faisant toujours la même chose, on peut arriver à des résultats différents. Je vais vous dire, je sais que vous en êtes capable. Je sais que vous méritez tout le bonheur. Et vous aussi, vous le savez au fond de vous. Cette petite voix qui vous dit « tu peux y arriver ». Alors oui, il va falloir sortir de sa zone de confort. Mais c'est vraiment pour votre bonheur et votre épanouissement personnel. Alors je compte sur vous pour poser les fondations de votre reconstruction. Et ensemble, nous allons mettre en place les bonnes actions pour récupérer votre ex. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre une séance coaching, je vous ai mis le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous recevrez tous mes conseils. Et toujours, de me mettre un pouce bleu pour me dire que la vidéo vous a plu. Gardez la forme et je vous dis à très bientôt sur la chaîne avec James D.